Dans l'épisode précédent, on a fait des petites affaires avec Bill et on était sur le point de toucher le jackpot. Sauf que, un peu plus tôt, dans la session précédente, on avait menti à Bob le Taré sur le fait que des clercs s'en prennent à sa ferraille. Et du coup, il s'est vengé, il a buté Bill. Et j'ai aussi une petite quête à faire avec lui pour qu'on s'entende à nouveau. Pour les fameuses livraisons de ferraille, ça se passe où? Ça se passe assez loin. Ah, mais oui, mais c'est les mecs que je connais en plus. C'est Lucky Sam. J'avais débarrassé Lucky Sam de son ancien employeur. Et on avait trouvé un nouveau qui paye mieux. Sauf que maintenant c'est Bob le Taré qui veut sa ferraille quoi. Quelle vie. Ça se trouve, le nouvel employeur qu'il avait, Lucky Sam, c'était aussi l'éclair. Quelle vie. Allez, je vais faire une petite sauvegarde, parce que j'avais pas sauvegardé à la fin de l'épisode précédent. Et allons-y. Va peut-être s'arranger, on est devenus potes, Lucky Sam et moi. Oh merde. C'était pas le plan. Lucky Sam, je reviens te voir pour d'autres aventures. You again? What a lucky coincidence. I was just thinking that. Thanks to you, I made the deal of my life. I was able to get more shards than I thought was possible. The new guy we're supplying, he's going to guarantee we earn what we need to. Thank you. You've saved lives. Ouais, mais désolé, mec. People in the fort are expecting your scrap deliveries to start again. Yeah, and? Fuck the fort. The guys there can kiss my ass. You don't have a choice. I'd think again. Yeah? Why should I? If you don't send a delivery, the fort will send a group of enforcers to make sure they get what they want. Damn it! One minute you're swimming in shards, the next you're standing in shit. Je crois pas si bien dire, mon gars. Okay, there's a small group of clerics who want my scrap, right? J'avais été sûr. Probably watching us right now. Now, if they were to accidentally meet their maker, well, then we'd be able to start delivering scrap to the fort again. Do you think you can sort that out for the good of all of us? Hey. Désolé mec, mais je vais pas me retourner contre l'éclair pour toi, mon gars. You will terminate your trade agreement with the clerics. Okay, okay, I get your point, but it's not that easy. What about my other trading partners? You don't have to worry about them anymore. Right. Okay, if you say so, then ah, je fais déjà un move contre l'éclair là, mais bon. The delivery will be on its way to the fort soon. Good. You'd better stick to the agreement. I will. You can count on me. I know the difference between trusting in luck and shooting yourself in the head. Ouais, là, je viens déjà de faire un move contre l'éclair. J'aurais peut-être pu parler au clair. J'avais peur que ce soit en mode on les bute. J'aurais peut-être pu leur parler pour qu'on trouve une solution. Et qu'ils amenuisent eux aussi. Mais bon, la dernière fois que j'ai fait ça, Bob le Taré s'en est rendu compte. Donc bon. Aussi, les clairs là, ils ont les pires plans, hein, franchement.
tout le monde se rend compte de ce qu'ils sont en train de faire, mais ils y vont pas suffisamment franco pour que ça ait un impact vraiment en mode guerre, quoi. Donc ils sont un peu le cul entre deux chaises, mais ils se font quand même gauler comme possible. De toute façon, je suis déjà pas là-dedans. Je suis sûr que j'ai un grade qui est plus élevé que le mec qui s'occupe de cette opération. Alors, regardez comme je ne tombe pas. Scrap collectors finally realized they needed to deliver, did they? Things wouldn't have gone this far if Logan hadn't been so lenient on those damn clerics. He, of all people, should know that Payne is the best disciplinarian, despite their failure. Pay me double. Double? I solved your problem. It's worth that. If it buys that and loyalty, I'll pay. If I made room on my payroll by, say, helping one of my less helpful personnel disappear, you could get paid double. I can make that happen. How does that sound? Shoot whoever you want, as long as you pay me. There. Someone who gets what this is dédicace about. À Nasty. Profit above everything. I like that, really. Profit is predictable. It means I know we can work together anytime. Never trust anyone who doesn't understand Elixit comes first. Cool. Voilà, Nasty qui est contente. Incroyable. Bon. Et ben, c'était un petit duo de quête qu'on s'est fait. Vive nous. Oh, je suis monté de niveau, c'est vrai. Je suis passé niveau 27. Ah, c'était un 6 qu'on avait du mal à voir. Je suis passé niveau 27. Qu'est-ce que je veux monter? Peut-être monter ce qu'il faut pour l'armure. Armure, il me faut 40 en force et 50 en constitution. Voilà les 50. La prochaine étape, c'est le 40 en force. Après, il me faudra bien sûr la thune, hein, mais au moins niveau stats, je pourrais porter l'armure que je veux. Et ça, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a des compétences qui m'intéressent? Le tueur de machine m'intéresse pas mal. Blablabla. Pas mal de trucs dans survie sont intéressants. Résistance aux altérations, l'armure, point de vie supplémentaire, endurance. Bon, même bon mangeur, hein, pourquoi pas. C'est beaucoup de pourquoi pas, quoi. Orfèvre, pareil, c'est pourquoi pas. Piratage, ça pourrait être bien. Faire en sorte que je m'en trouve pas coincé par une porte ou un truc comme ça, qu'il faut pirater davantage. Mais après, c'est vrai que j'ai pas utilisé des masses non plus, le piratage. Enfin, à chaque fois, le niveau 1 suffisait pour ce que j'avais besoin de pirater. Ok. Élimine toutes les altérations d'état. Ok. Plus 20 en armure. Plus 50 en armes de tir. Ça me donne envie aussi. 50 en armes de tir. Et ça, pourquoi pas. Ok. J'ai déjà save. Voilà, ça vient de save automatiquement de toute façon. Je crois que j'avais save, mais je vais quand même resave. Ok, donc on a la constitution qu'il faut, c'est cool. Prochain niveau, on montrera la force du coup. Il faudra encore deux niveaux, je crois. Et après, il faudra beaucoup d'argent. Et dans cet épisode... Ah, j'ai une recette ici.
De grandes réserves. Grandes réserves avec du minerai de fer et des déchets. Ah oui, parce que moi j'ai pépites de soufre. Là c'est minerai de fer. Nice. On a fait Tavor. Un truc technique et un truc ferraille. Transport de ferraille. Bob, attends, livraison des collecteurs. Ils sont partis travailler à l'ouest. Mais leurs livraisons sont en retard. Donc, ça doit être le transport de ferraille qu'on a fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Transport de ferraille et... avancée technique, voilà. Incroyable.